I gotta fill you all in about a Rosie Madone who's unemployed, three kids and a cat at home. C'est parti donc pour un petit extrait de L'ombre du zèbre de Alice Quinn. Alors, bien sûr, je ne respecte pas vraiment les formats du concours puisque je ne suis pas en selfie, je suis en face caméra, mais vu que je lis sur mon téléphone, je suis pardonné. Allez, je suis pardonné. Allez, chapitre 5, c'est parti. En rentrant, on s'est trouvé pendant un moment, par hasard, derrière une gamine, une ado, qui avait une drôle d'allure, sapée comme l'as de pique. Au début, je n'ai pas fait attention vraiment. Elle portait des sacs de course, rien de plus banal. Mais à un moment, elle est entrée dans un petit immeuble et j'ai juste remarqué qu'elle était réapparue très peu de temps après. J'ai pu m'en rendre compte car justement où elle avait pénétré dans le bâtiment, Emma s'était assise par terre et elle avait refusé d'avancer. Ce n'est pas qu'elle soit capricieuse, elle est plutôt facile. Mais parfois, elle fait des fixations. Des petites crises de jalousie. Dans ce cas-là, j'ai du mal à comprendre ce qu'elle veut. Heureusement qu'il y a Sabrina, elle traduit. Elle s'est penchée sur Emma pour savoir ce qui se passait et elle m'a dit « Emma, elle veut plus avancer parce qu'elle a oublié sa princesse Chara, ses tontons Tony. Et sans elle, elle ne peut pas dormir. » Elle ne peut pas me le dire simplement. Emma adore sa princesse Sarah, qu'elle habille en Superman car elle a des super pouvoirs de protection. J'étais un peu fatigué, alors je me suis assise aussi. Les filles ont fait pareil. Emma m'a regardé d'un air interrogateur. Je l'ai prise sur mes genoux et Lisa a commencé à bouder. C'est fatigant de rester debout, t'as raison. J'ai besoin de me reposer moi aussi. Tu veux ta princesse Sarah, c'est ça? Oui. Mais on est déjà loin de chez tonton Tony. Je suis très fatigué, il est tard. Et j'ai pas la force de retourner la chercher là. Je sais pas comment faire. On va se presser le citron et on va trouver une solution, d'accord? Je réfléchissais vraiment tout en me reposant. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu la drôle de fille ressortir du même immeuble. Alors qu'elle venait d'y entrer. Elle nous a regardés et elle a continué sa route. Voilà, c'est un extrait du chapitre 5 donc de L'ombre du zèbre de Alice Quinn. Je vous conseille d'aller l'acheter, moi personnellement c'est fait. Donc je vous souhaite bonne lecture, bon courage pour la suite et puis ciao. So she turned the money in or deposited. Where'd it come from and why was it thrown in the trash? And what would happen if they come looking wanting it back? Action packed with laughs and all of the above. Download this book now to find out what she does.